Des scientifiques découvrent un nouveau langage humain, la synchronisation cérébrale. Il y a un domaine tout nouveau que je trouve super intéressant qui sont les neurosciences sociales. Au lieu de s'intéresser au fonctionnement d'un seul cerveau, on s'intéresse plutôt à l'interaction qu'il peut y avoir entre plusieurs cerveaux. Et des études ont montré que dans certains cas, nos cerveaux pourraient se synchroniser entre eux. Et là, on est littéralement sur la même longueur d'onde. Quand ça arrive, on serait plus performant, on ressentirait plus de plaisir et on communiquerait plus efficacement ce qu'on ressent. Voici 4 situations où ça peut arriver. Quand tu écoutes une histoire à plusieurs, plus la synchronisation est forte, plus on est attentif, plus on retient mieux l'histoire. Quand tu souffres et qu'on calme ta douleur en te touchant. Ça marche très très bien quand c'est un de tes proches qui te touche, un peu moins avec des inconnus. Quand tu assistes à un concert de musique, cette synchronisation aurait lieu entre les musiciens et les spectateurs. Plus elle est forte, plus tout le monde prend son pied. Pendant un discours politique. Quand un discours est puissant, des scientifiques ont observé une activation cérébrale cohérente parmi tous ceux qui l'écoutent.